talking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's our last night together with our love again. Another light before we're drawn in darkness. Say you never been me now. Say you're gonna love me now. Je n'ai pas compris. Veuillez reformuler la question, s'il vous plaît. Bonjour, que puis-je faire pour vous? En quoi puis-je vous aider? Je suis Siri, votre assistant personnel pour vous aider. La qualité de l'air est malsain. Vous n'avez pas besoin de parapluie pour sortir aujourd'hui. Que puis-je faire pour vous? En quoi puis-je vous aider? Vous cherchez une maison. Entendu. Je cherche des terrains constructibles à proximité. Veuillez patienter. J'ai trouvé 5 résultats pour terrain vide à proximité. 5 espaces potentiels d'installation de votre maison où vous pourrez dormir et passer la nuit. Je peux vous y emmener si vous le souhaitez. Entendu. Vous êtes actuellement en bordure de l'axe nord-sud de la Nationale N89, entre la zone d'activité du Brézé et la zone d'activité de la Part-Dieu. C'est parti. Vous pourriez aussi être ailleurs, dans un même décor, une même zone commerciale banale, au milieu d'infrastructures, d'échangeurs, de parkings, d'enseignes, de services à la voiture, de camions. Mais vous aussi, vous êtes un nomade et vous n'avez pas de voiture. Il ne vous reste que vos pieds pour avancer. Nomade, lâché dans la zone, en marge de la ville. La ville, cet endroit où ils ont tout mis. Le sentier d'asphalte appelle ton pas, c'est lui qui te guide. Prenez le temps à pleine main, à pleine bouche, de plein fouet. Vous êtes actuellement au café du Petit Caillou, prendre légèrement à droite rue Claude Guichard. Vous êtes sur ce qui reste, au milieu de ce qui a été rempli. Ceci n'est peut-être pas qu'une zone d'activité. Ceci est un collage. Je voudrais que déambuler ne devienne ni concept, ni question de la ville, et soit au contraire une manière de lui laisser sa chance. La chance, c'est le risque de l'insignifiance. Même déambuler s'y trouve emporté par autre chose, pour traverser sans cesse et sans fin un espace non identifiable et par conséquent impossible à traverser. Dans 300 mètres, votre destination se trouve sur la gauche. Chacun sa clôture, sa maison, sa parcelle. Son garage, a priori. Les maisons s'enchaînent, se resserrent et s'écartent. Au cœur du cœur de la zone, dans ce qu'ils appellent le cœur d'îlot, on trouve l'espace libre monnayé pour les chasseurs urbains. Vous êtes arrivé à la première destination sur la carte. 55 rue Claude Guichard, 63 000 Clermont-Ferrand, terrain vide. Actuellement non bâti. Non, après vérification, mes informations indiquent que c'est un terrain de paintball. Vous ne pouvez pas installer votre maison de nomade ici. Ce terrain est une propriété privée. Vous ne pouvez pas chasser ici. Cette destination est erronée. Destination supprimée de la carte. Avance ton pas et marche. À la prochaine intersection, restez légèrement à droite sur la rue Claude Guichard,
puis continuer jusqu'au square Jean Moulin. Après vérification, vous ne pouvez pas installer votre maison de nomade dans l'espace public. Vous pouvez rester sur un banc, mais pas trop longtemps. Vous ne devez pas dormir ici. Le square Jean Moulin appartient au domaine public. Seconde destination placée sur la carte, Crouel. Vous allez passer sous le nœud routier, là où tout se croise et s'enchevêtre. Et apercevez au loin le puits autour duquel s'enroule la chaîne de production des morts. EHPAD, funérarium, crématorium, pompe funèbre, cimetière, décharge, casse automobile. Même les objets viennent ici mourir pour s'y faire oublier. Si ce que l'on appelle commun n'est ni de l'ordre de la propriété privée, ni celui de la propriété publique étatique, alors ici, rien du vide n'est commun, a priori. Après vérification, mes informations indiquent que le puits de Crouel n'est pas un terrain disponible. Il se divise en plusieurs parcelles maraîchères sur son pied. Le sommet est quant à lui géré par le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. C'est une propriété relevant du domaine privé de la collectivité. Vous ne pouvez pas installer votre maison de nomade ici. Destination supprimée de la carte. Un jour viendra où l'ancienne muraille de Tuya, taillée à la règle, tombera pour laisser les vivants traverser la propriété des défunts. Les communs se définissent au travers d'une ressource en accès partagé, avec une distribution de droits alloués à différentes personnes ou communautés, et qui est gouvernée pour en permettre l'intégrité. Destination suivante placée sur la carte. Parking in Auvergne. Après vérification, mes informations indiquent que vous ne pouvez pas installer votre maison de nomade ici. Seules les voitures ont le droit de dormir ici. Le parking de la CCI Formation n'a pas de clôture, mais c'est un espace appartenant à In Auvergne. Ceci est une propriété privée. Vous ne pouvez pas rester ici. Destination supprimée de la carte. Quatrième destination placée sur la carte. Continuez tout droit, prendre la direction sud sur Technopole de la Part-Dieu. Ici, où finissent les voitures, les bus et les endormis du dernier tram, commence l'espace de la Technopole clermontoise. La Silicon Valley du Massif Central. Ici, les espaces du vide, espaces ouverts, espaces de pleine terre sont des espaces de compensation. Des mètres carrés pour compenser. Mais regardez de plus près, au sol. Depuis 500 mètres, vous suivez le ruisseau de l'artière sans la voir, sans le savoir. La voilà, libérée de son carcan de buse. Elle s'écoule à contre-courant de votre randonnée pédestre. Ici, au fond de la parcelle Saint-Maclou, on s'est déjà installé. Voyageur d'un itinéraire sans parcelle fixe. Éternel squatteur des marges de la sédentarité. Espace de vaine pâture, laissé à l'homme du voyage. Ces gens-là de la marche infinie qui cherchent où poser leur lit. À la prochaine intersection, prendre complètement à gauche sur avenue du Roussillon, direction plein sud. Un jour viendra où les espaces libres de compensation de la zone d'activité se transformeront en pâturage pour bergers. À la prochaine intersection, prendre légèrement à droite sur chemin qui n'a pas de nom. Dès que vous le pouvez, empruntez le chemin de terre pour rejoindre les jardins. Nous y voilà. L'artière est apparue au milieu de 10 hectares de jardin. Rescapée, oubliée de la zone d'activité. De l'ancienne Limagne, cette enclave est un des derniers fossiles de la ville. Vous traversez ici les terres les plus fertiles de la banlieue. Et ici, on produit. Et si la valeur du sol n'était plus déterminée par ce qui se trouve au-dessus, mais par ce qui se trouve en dessous. Adieu bilan aménageur, promoteur, investisseur,
et spéculateurs. La valeur de votre parcelle n'est plus celle de ce que l'on peut y construire, mais celle de ce que l'on peut y produire. Après vérification, l'ensemble des parcelles sont ici privées. Vous ne pouvez pas installer votre maison de nomade au milieu des potagers. Votre prochaine destination est placée sur la carte. Au rond-point, prenez très fortement sur la gauche et traversez les parkings. Votre destination se trouve au sommet. Un dernier effort t'attend. Monte. Come on. Ici, 64 espèces d'oiseaux recensées, dont 8 espèces nicheuses d'intérêt patrimonial, 55 espèces de papillons, 23 espèces d'orthoptères, 11 espèces de chauves-souris, 5 espèces de reptiles protégés au niveau national. Vous êtes dans un espace naturel sensible. Et pour une fois, ils ont dit vrai. Un espace qui n'est plus un espace mono-espèce. Vous êtes d'ailleurs l'espèce minoritaire ici. Ici, pas de clôture, pas de barrière ou de mur de tuyaux. Mais sache qu'en réalité, sous ton pied, tout ce sol est bien découpé. Une multitude de petites propriétés agglomérées. Ici, sur ce sommet, quelle règle a ainsi préservé cette colline abandonnée ? Naturelle, d'intérêt écologique, dit-on. C'est peut-être là la source, un intérêt écologique. Les commons, c'était justement des terres en accès ouvert, dont les bénéfices, les usages, étaient partagés par une communauté et profitaient à tous. Les peuples nomades cherchent et se déplacent. Ils se déplacent et ménagent la ressource. Ici, on cultive et on exploite la ressource. On la fait venir jusqu'à toi. Et l'on aménage tout en servitude pour son passage. Regarde, cela ressemble à ça si tu emménages. Vous êtes sur des propriétés privées. Elles ne sont pas matérialisées ici. Vous ne pouvez pas installer votre maison de nomade dans cet espace classé naturel sensible. Il vous faut trouver d'autres régimes de propriété. J'ai trouvé pour régime de propriété alternatif, bail réel solidaire, office foncier solidaire, community land trust. Je n'ai pas trouvé de destination associée à proximité. Voulez-vous que je cherche une destination correspondant à la recherche? Non, merci. Allez, viens, écoute et marche. Vous pourriez aussi être ailleurs, dans une même zone commerciale banale, au milieu d'infrastructures, d'échangeurs, de parkings, d'enseignes, de services à la voiture, de camions. Avance ton pas et marche.